Salut à tous, regardez ces images, les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Pierre Ménès et Pablo qui est à mes côtés, comme toujours. C'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. Il y a déjà une très belle ambiance ici dans cette rencontre. Pourtant, on n'en est qu'au début, la finale est encore loin. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Les visiteurs qui ont donc la meilleure attaque du championnat. C'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre, évidemment. Les joueurs sont réalistes devant le but. On espère assister à un très bon match. Et le numéro 12, Florian David. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. C'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Ouais, je suis en train de voir ça. Ouais, c'est frileux hein, comme système. Voire un aveu de faiblesse. La composition de l'équipe toulousaine, la voici. Gros dispositif défensif des deux côtés avec des entraîneurs qui... l'un et l'autre opté pour le 5-3-2. Oui, là tout est fait pour la défense. Offensivement, ça va être compliqué pour tout le monde. C'est parti donc. Les supporters de l'équipe locale qui ont découvert eux aussi la composition de cette équipe et qui savent à quoi s'attendre, hein, c'est-à-dire que leur équipe va subir un gros pressing. Oui, c'est pas forcément la clé du match parce qu'il y a d'autres paramètres, mais ça donne un peu une idée de la physionomie de la rencontre, c'est sûr. Bien tiré le corner là. Le dégagement pour éloigner le danger. La frappe. Sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Ah, parti trop tôt là, parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi, hein, ça faut le dire. Lobé dans le dos de la défense. Le gardien qui se frise hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein? Ouais, c'est un arrêt facile. Votre attention, s'il vous plaît. Nous rappelons à tous nos supporters que les billets pour le prochain match sont d'ores et déjà à la vente sur notre site internet. Dépêchez-vous. Il est bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but! Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Ah, il est bien parti ce corner. Le corner, hein, ça commence à devenir dangereux.
Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui repousse le corner. Le ballon dans l'axe, attention. Bien repoussé par la défense. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le but! Le but magnifique et l'explosion de joie pour tout un stade avec cette ouverture du score. On revoit ça, la passe en profondeur, la défense qui est en retard. La finition à mi-distance est vraiment parfaite. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. But pour Rodez, le numéro 11, Hugo Bonnet. Steven Moreira. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Peut-être une bonne opportunité, attention. On cherche des solutions là. Ouais, bel appel de balle. Et le gardien qui est sur ce ballon. Un mauvais ballon ça. Il progresse. Ah, c'est un ballon perdu. Elle presse cette équipe. Steven Moreira. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. De Jäger. Non, elle est interceptée cette passe. Et les Toulousains qui retrouvent le ballon. Ils lui redonnent. Ils n'ont pas abdiqué. Hein. Ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah non, le ballon est perdu. Steven Moreira. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Ah, c'est propre ça. De Jäger. Il faut trouver une ouverture. Oh, la faute commise au mauvais endroit. Allez, à cette distance, ça se tente.
Oh, ça passe pas loin du tout. À quelques centimètres, il n'a pas réussi à doser son ballon comme il l'aurait souhaité. La frappe est finalement trop enlevée. Ballon qui passe au-dessus de la barre. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement, 1-0. On assiste pour l'instant à un match très serré, Pierre. La mi-temps va permettre aux entraîneurs de faire quelques ajustements. Ouais, les stades de possession de balles sont vraiment équilibrés. On a assisté à une grosse bataille en milieu de terrain. Voilà, c'est reparti. De Jäger. Ouais, il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Oh, le cadeau. Ah, il a sorti les muscles, il est là pour prendre ce ballon. Diver Machado. De Jäger. Allez, peut-être une bonne occasion. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Bon, attention, c'est pas fini. Cherche une solution, c'est pour le gardien. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Et encore une bonne passe. Une bonne transmission. La voie est libre. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Un danger qui se précise peut-être. Il s'infiltre, attention. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Diver Machado. Ruben Gabrielsen. Diver Machado. Il perd la balle. Ouais, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. Allez, on peut prendre l'espace là. Le dégagement pour éloigner le danger. Attention à l'éventuelle contre-attaque. De Jäger. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il reste exactement 20 minutes à jouer.
Ruben Gabrielsen, de Jaeger, même phase de construction en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Ouais, il y a faute. Bon, apparemment la distance ne lui fait pas peur, après tout ça se tente. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Ouais, il fallait et de la puissance et de la précision pour remarquer à une distance aussi lointaine. Hein. Ouais, un peu d'humilité aussi. Perdu sur cette bonne intervention en 1-2. Il faut trouver l'ouverture. Non, elle est interceptée cette passe. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Diver Machado. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Kone. C'est la toute dernière attaque, je pense. Oh, le très beau geste défensif. Ah non, ça sort, ce sera donc un corner. Il va y avoir un remplacement. Corner, le ballon en pleine surface. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Passe plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. On dirait qu'il va le frapper direct ce coup franc, pourtant il est loin là. Claquette du gardien. Peut-être la dernière opportunité pour eux. Le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon. Belle lecture de la trajectoire. Ouais, pas de problème. Le gardien était là. Bon placement du gardien qui a anticipé la trajectoire de ce ballon. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, bien capté par le gardien. C'était frappé trop près du but ce corner. Avec autant de passivité, c'est assez risqué. Ah, ils n'ont plus le choix. Ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais. Chercher une ouverture, bien sûr. Le ballon qui a été contré. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but.
Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. La fin du match ici et la victoire des locaux dans cette affiche au sommet. Une courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Les trois points qui font du bien du coup. C'est parti donc. Frappe. Sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue pas mal. Bien repoussé par la défense. Le but magnifique et l'explosion de joie pour tout un stade. Oh, ça passe pas loin du tout. À quelques centimètres, il n'a pas réussi à donner son ballon comme il l'aurait souhaité. La frappe est finalement trop enlevée. Ballon. Ouais, il fallait de la puissance et de la précision pour remarquer à une distance aussi lointaine. Hein. Ouais, un peu d'humilité aussi. Peut-être la dernière opportunité pour eux. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement.